Ouais. Alors, cette journée. Je sais pas quoi choisir. Bonsoir, les images sont plus agréables finalement que les paroles, mais malgré tout, vous allez m'entendre quelques minutes. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Présenter la faculté de biologie et médecine est trop compliqué pour le faire en 3 minutes, donc on a fait plus court avec ce film. Nous sommes confrontés à une réalité tout à fait étrange, puisque d'une part, nous appartenons à l'Université de Lausanne, évidemment, mais d'autre part, nous sommes aussi bien intégrés au CHUV, avec 2 sections, une section des sciences fondamentales, une section des sciences cliniques. Au fil du temps, il a fallu s'adapter à 2 plans stratégiques, un du CHUV, un de l'université, tâcher de se mettre au milieu entre ces 2 grands navires, et nous avons développé avec l'équipe des Canals une réflexion autour des enjeux stratégiques et des thématiques que l'on peut vous proposer ou proposer à nos chercheurs et à nos médecins. Ce soir, donc, nous terminons ce cycle de conférences de 5 à 7 qui avait été prévu pour vous présenter ces différentes thématiques. Nous sommes à la 6e. La première fois, dans cet auditoire, nous discutions de l'insertion sociétale et recevions une philosophe, Cynthia Fleury. Nous recevions aussi Béatrice Chade qui nous parlait de l'interaction entre soignants, patients, proches et toutes les difficultés que ça peut représenter. Une 2e série de conférences qui était menée par Yann Sander et un collègue parisien, Marc-André Sellos, parlait de l'évolution de l'écologie et notamment des champignons qui peuvent être très utiles pour que le manioc pousse de manière plus efficiente dans des terrains pauvres comme en Afrique ou en Amérique du Sud. Le 3e axe était important, c'était sur la recherche clinique. Nous avions Peter Follenweider, nous avions Josier Abba-Rubio et puis nous avions Idriss Guessou. Nous parlions justement des enjeux qui sont de l'indépendance de la recherche clinique par rapport au pharma. Et puis c'est là où j'avais fait une petite mention d'un financement et de menaces par Philip Morris. Ça a fait le tour du monde, 1/2 page dans le Canard enchaîné. Et je crois que c'est toujours pas terminé, finalement, des pressions qui peuvent être faites par les industriels sur l'indépendance de la recherche. Une autre série de conférences décrivait les structures-fonctions et nous abordions le cerveau avec Manuel Mameli qui parlait des modèles de dépression chez l'animal, Philippe Rivelin des nouvelles technologies qu'on peut utiliser dans les prises en charge des patients et Jacques Besson de l'esprit, entre l'esprit de vin et puis l'esprit en général, interaction entre les dépendances et cette société. Cet été, nous avions un sujet à Dorigny sur les technologies innovantes avec Jacques Dubochet, la rectrice Nouria Hernandez et une conférence tout à fait intéressante de Jean-Claude Amaizen qui décrivait les enjeux éthiques et sociétaux des activités médicales et des activités de recherche. Ce soir, nous terminons cette boucle avec un sujet fascinant, passionnant, extrêmement important pour nous, êtres humains, pour la société, son développement, c'est l'homme, son environnement, et notamment avec une thématique centrée sur les maladies infectieuses. Le professeur Calandra, que je remercie, a eu la gentillesse d'organiser cette série de réflexions avec 2 grands conférenciers. Les cycles suivants que nous allons entamer dès l'année prochaine porteront sur l'interdisciplinarité. On a de la chance, il y a 7 facultés au sein d'université, et donc nous allons avoir un cycle de 6 conférences en interdisciplinarité avec chacune des facultés, que ce soit des lettres, que ce soit le droit, la théologie, géosciences, environnement, pour aborder ensemble ce que nous pouvons faire entre les facultés pour développer la recherche et des réflexions communes. Quelques mots maladies infectieuses pour quelqu'un qui n'est pas infectiologue, c'est se plonger avec les virus au début de la vie. Finalement, quand commence la vie? Est-ce qu'un virus est déjà un premier élément du vivant ou est-ce qu'il y a quelque chose encore en amont? C'est l'échange entre des toutes petites structures, mais aussi du bagage génétique qui va se retrouver parfois dans nos gènes.
Les virus, c'est aussi quelque chose qui nous persécute, qui nous préoccupe, puisqu'ils sont capables d'infecter des bactéries. Quand ils les infectent, on peut développer des maladies type scarlatine, mais on peut aussi tuer des bactéries, et ce sont des approches qui ont été utilisées en Russie, en Pologne, à l'ère des résistances aux antibiotiques. La phagothérapie est à nos portes. Est-ce que nous aurons le courage de la développer ou pas? C'est pas nécessairement simple. Mais avec les virus, c'est vraiment aussi tout un problème de la société avec ces virus émergents, et nous aurons une conférence intéressante sur ce sujet un peu plus tard. L'autre champ, évidemment, sont les bactéries. Les bactéries seront peu abordées ce soir, mais c'est tout le travail qui se fait par les infectiologues. Et les bactéries, c'est aussi l'histoire de l'homme. Je pense à ces épidémies de peste qui nous ont ravagés, peut-être qu'elles reviendront, ou d'autres types d'épidémies qui arriveront. Mais c'est tout ce champ de recherche maintenant que représentent les bactéries qui sont dans notre environnement, sur notre peau, dans notre tube digestif et qui correspondent pour certains à un nouvel organe qu'on appelle le microbiote, qu'on étudie, et quelles sont les interactions entre les bactéries qui nous colonisent, les maladies que l'on peut développer. Et ce sont des champs d'investigation absolument incroyables que l'on peut faire et proposer. Les parasites, également quelque chose qui est une relation avec l'homme depuis très longtemps. Ce sont des petites bêtes curieuses qui sont capables de nous infecter. Mais je rappellerai aussi les folies de l'histoire de la médecine avec un prix Nobel qui a été attribué en 1927 à un chercheur autrichien qui a un tout petit peu dévié ensuite de l'éthique de la science, quoique dès le départ, il faisait des choses bizarres puisqu'il a inventé la malaria-thérapie pour traiter les syphilis tertiaires. Dans une grande chambre de patients, dans les hôpitaux psychiatriques, quand la syphilis attaquait le cerveau, il s'était rendu compte que celui qui faisait un épisode fébrile s'améliorait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peu de sang à ces patients qui tremblaient, l'a transfusé à tous les patients de la chambre, a remarqué une amélioration considérable, tellement considérable que finalement, ça a valu un prix Nobel. Mais cette relation avec les parasites est fantastique puisqu'il y a des résistances qui ont été acquises, des modifications génétiques dans des populations. Certaines formes de malaria attaquent moins les hétérozygotes qui possèdent un gène qui peut être extrêmement dangereux pour le globule rouge et donc pour les individus, qui est ce gène qu'on appelle avec des modifications d'hémoglobine qui provoque la drépanocytose. Les patients qui sont indemnes de toute drépanocytose s'infectent de malaria, peuvent mourir, ou certains types. Les hétérozygotes résistent et les homozygotes souffrent de la drépanocytose. Relation tout à fait étrange entre des parasites et l'être humain. Mais toute notre histoire est peuplée d'aventures entre l'homme et son environnement. Et quand on pense maintenant à ces différentes fièvres hémorragiques, quand on pense à la grippe de la Première Guerre mondiale, quand on pense à la syphilis, quand on pense à l'épidémie de sida, des progrès extraordinaires ont été faits. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'internistes dans la salle, j'espère pas trop parce que je vais dire quelque chose d'un peu méchant par rapport à eux. Somme toute, la seule vraie avancée qu'il y a eu en médecine interne, ce sont les antibiotiques. Le reste a été relativement contemplatif. Regardez des électrocardiogrammes, des radios de thorax, mais quand il y avait un pathogène, on pouvait le soigner. Mais longtemps, on est resté très démunis. Dans les années 50, le médecin devait apprendre 5, 6 médicaments efficaces, pas 5000 comme l'on peut avoir maintenant. Et les infectiologues nous ont permis de faire des progrès majeurs, notamment dans des épidémies, syphilis, sida, évidemment. Mais nous ne pourrions pas traiter des patients atteints de leucémie sans eux. C'est grâce aux infectiologues que l'on peut sortir nos patients qui n'ont plus de défense liée aux chimiothérapies. Toute l'histoire des antibiotiques, des antiviraux, des antiparasitaires est également liée à un problème extrêmement important pour notre société, ce sont les résistances. Comment l'homme va évoluer dans son environnement avec des résistances à toutes sortes de médicaments que l'on peut donner, avec une toxicité qui est associée, c'est des enjeux importants. Et je pense que pour une faculté de biologie et médecine, il est nécessaire de bien réfléchir à l'homme et son environnement, notamment en termes de maladies infectieuses. Et je remercie vraiment les orateurs de ce soir et vous, public, d'être présents pour écouter les choses importantes qui vont nous être apportées. Thierry Calandra est un grand monsieur des maladies infectieuses et il fait partie d'un héritage que l'on a en Suisse depuis longtemps d'infectiologues qui ont été connus et reconnus.
Et ici, il fait partie d'une grande lignée de spécialistes des maladies infectieuses. Il porte haut les couleurs des maladies infectieuses à Lausanne. Et je le remercie d'avoir eu la gentillesse d'organiser ce 5 à 7 avec vous. Et je reprendrai la parole en excusant le professeur Pierre-François Lévra, le directeur général, qui devait donner quelques mots de conclusion. Peut-être que je le ferai, ou suivant l'heure, on ira directement à l'apéro, selon votre envie. Merci Thierry, je te laisse la parole. Merci infiniment Jean-Daniel. Au nom du service des maladies infectieuses, permettez-moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue aussi à ce forum 5 à 7 sur le thème maladies infectieuses. J'aimerais remercier le doyen, le professeur Tissot, la faculté de biologie et de médecine et l'université de Lausanne de nous donner l'opportunité de discuter sur ce thème. Je remercierai aussi la direction générale du CHUV de s'associer à cet événement. Et bien entendu, un grand merci aux deux orateurs de la journée qui vont nous permettre d'illustrer ce thème maladie infectieuse. Je ne ferai pas de digression sur la médecine interne, étant un interniste avant d'être un infectiologue. J'ose espérer que je le suis encore un peu pour une partie de mes activités. Si on regarde maladies infectieuses au même titre que les guerres, les famines, les maladies infectieuses ont traversé les siècles et sont un des fléaux de l'humanité. Le doyen a présenté la facette des merveilleux progrès qu'on a fait. Certes, nous en avons fait à de multiples niveaux dans la prévention, dans le diagnostic et dans le traitement des maladies infectieuses, où on a globalement amélioré le pronostic en termes de morbidité ou mortalité des maladies infectieuses. Toutefois, si on en croit l'OMS, les maladies infectieuses restent une des causes prédominantes de décès de nos jours. Si j'en crois leurs statistiques, on vient en numéro 2 avec le thème maladies infectieuses, juste derrière les maladies cardiovasculaires. Un tout petit peu d'humilité peut-être. Quelques noms qui vont vous rappeler des choses pour illustrer le fait qu'on a encore des progrès à faire. Maladie des légionnaires, VIH, SRAS, le syndrome respiratoire sévère et aigu, MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, Ebola, Zika. Je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais vous épargner. Ce sont les diagnostics, peut-être les maladies infectieuses les plus mondaines. On pourrait parler de maladies infectieuses réémergentes, la grippe, la rougeole, moins attractif que les autres et peut-être moins intéressant pour les médias. Et je ne ferai pas la litanie des 335 événements infectieux qui sont apparus entre 1940 et puis l'année 2004, selon une publication de la revue scientifique Nature. 335. Les raisons. Pourquoi les maladies infectieuses restent prédominantes, restent parmi nous? Il y en a de multiples. Bien évidemment, les changements climatiques. Le réchauffement, le déplacement de bassins habituel de maladies, le sud-est asiatique avec la dengue comme maladie qui évolue, qui se rapproche des grandes mégapoles. Les catastrophes naturelles, déplacement de population, choléra et d'autres épidémies. Biodiversité animale. La diminution de la biodiversité au niveau animal s'associe à une, et ça peut paraître étrange, augmentation de la transmission des maladies infectieuses. La richesse en biodiversité animale nous confronte à de multiples pathogènes. Donc, d'une part, on est perdant si on maintient une grande richesse de diversité, et si la diversité diminue, on est aussi perdant parce que la transmission des maladies se fait mieux. On voyage énormément, on est de plus en plus en contact avec les espèces animales. Le traditionnel déversement et de changement d'espèce des maladies infectieuses survient quand on est en étroit contact avec des espèces animales.
on va de plus en plus loin dans la jungle et on en ressort avec certaines maladies émergentes. Globalisation, certes, vieillissement de la population. Le doyen et moi-même commençons à nous rapprocher de manière assez dangereuse d'une tranche d'âge qui va nous causer quelques problèmes. Résistance aux antibiotiques, c'est la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques. Résistance aux antibiotiques, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Certes non. Une autre publication récente dans la revue Nature avait montré, c'est des scientifiques qui avaient été forer le permafrost dans le Yukon au Canada, jusqu'à un sédiment qui correspondait à une époque à peu près de 30 000 ans. Mammouths et autres animaux étaient dans les sédiments. Ils avaient regardé des gènes de résistance aux antibiotiques, bien avant que les antibiotiques existent, ou en tout cas ceux qu'on utilise. Mais bien évidemment que les bactéries produisaient de manière naturelle des substances antimicrobiennes. Et quelle surprise, peut-être pour Nature, et peut-être un peu moins pour un infectiologue, de constater que oui, des gènes de résistance étaient détectés à ce niveau-là, qui correspond à il y a 30 000 ans en termes de maladies infectieuses. Chaque nouvel agent antimicrobien s'accompagnera, si on en fait un usage pas tout à fait raisonnable, de résistance, et certains de nos voisins en font malheureusement l'expérience actuellement avec une diminution des sensibilités des différents pathogènes auxquels ils ont affaire de manière quotidienne. Comment pouvez-vous nous faire? Quand on a discuté de l'illustration de ce thème maladie infectieuse, on a choisi deux thèmes pour l'illustrer. Le premier, le doyen en a déjà parlé, les virus émergents. Et le deuxième, vous en entendez parler au quotidien, intelligence artificielle, médecine personnalisée ou prédictive, algorithmes qui nous permettent de donner un coup de main aux soignants pour la prise en charge des patients. Et on va aborder ces deux thèmes. Le programme, c'est deux présentations de 30 minutes. Et vous aurez la possibilité, après les deux présentations, de poser des questions et vous entretenir avec les deux orateurs. Je vais commencer par introduire la professeure Valérie Dacremont, qui travaille ici à la polyclinique médicale universitaire, où, comme vous avez pu le lire, elle est co-responsable du Centre de vaccination et de maladies des voyages. Mais là, une deuxième facette hyper intéressante, c'est qu'elle travaille aussi à l'Institut tropical et de santé publique à Bâle. La professeure Dacremont a fait une formation de médecine interne, chirurgie, puis après de maladies infectieuses et de maladies tropicales. Elle est certifiée pour les deux aspects avec un double FMH dans ces matières. Elle s'est très tôt intéressée aux maladies tropicales, bien évidemment. Elle a fait sa thèse sur le diagnostic de la malaria. Elle a longtemps travaillé en Tanzanie, où elle retourne très fréquemment. Et récemment, elle s'est intéressée à une facette assez fascinante. Comment peut-on venir en aide à ces pauvres médecins qui sont parfois perdus dans des diagnostics différentiels et utiliser ce que l'électronique peut nous offrir de plus attractif pour nous soutenir, c'est-à-dire des algorithmes décisionnels, et essayer de nous orienter dans le diagnostic différentiel des fièvres. S'agit-il d'une maladie tropicale, une malaria en particulier? Elle a mené des travaux extrêmement originaux qui ont été récemment publiés dans une revue que vous connaissez tous, le New England Journal of Medicine, un magnifique travail sur le sujet. Elle continue de se passionner pour les algorithmes et ce qu'on appelle le machine learning, donc l'usage des machines et des algorithmes pour soutenir nos diagnostics et nos diagnostics différentiels.
Elle va nous parler sur le thème « Système d'aide à la décision basée sur le machine learning ». La fièvre monte. Valérie, félicitations pour tes magnifiques travaux. Et le podium est à toi. Chers collègues, bonsoir. Je remercie le professeur Thierry Calandra et la faculté de me donner la possibilité de vous raconter ce que nous faisons en Suisse et en Afrique au sujet des applications d'aide à la décision pour la prise en charge des patients fébriles. Pourquoi des applications pour le diagnostic ? Le temps n'est plus où un seul esprit humain pouvait encore prétendre connaître tout ce qui pourrait être utile pour aider les patients, disait Paine dans un article dans le Lancet, mais qui est paru il y a déjà pas mal d'années, 1964. La communauté médicale a mis beaucoup de temps à réagir pour arriver à la version la plus sophistiquée actuellement de ces aides au diagnostic, qui est le Dr. Watson d'IBM, qui aide les médecins à diagnostiquer des cancers rares, surtout. Mais finalement, quand est-ce qu'une application est-elle vraiment utile au diagnostic ? Lorsque la connaissance dont a besoin notre cerveau analytique est insuffisante, parce que c'est un domaine un petit peu spécial, comme par exemple les maladies tropicales, ou que notre cerveau intuitif ne peut pas s'appuyer sur suffisamment de cas cliniques vus en pratique, parce que soit ils sont rares ou parce qu'on est un clinicien avec encore peu d'expérience. Et tout ceci surtout dans les domaines où les données sont particulièrement nombreuses et complexes et qu'il faut les intégrer, ce qui devient le cas quand même de beaucoup de domaines de la médecine. Alors, j'ai cherché ce qu'on pouvait trouver sur le marché en tapant dans Play Store « Symptom Checker ». C'est comme ça qu'on appelle ces outils d'aide au diagnostic. Et vous voyez qu'il y en a toute une série qui vous est proposée pour faire votre diagnostic ou aider le médecin. J'ai choisi les trois meilleurs, les plus connus pour vous, où j'ai entré le cas de ma fille de 18 ans qui récemment, il y a quelques semaines, a fait un épisode de fièvre avec mal à la tête et un épisode de vomissement. Alors je prends Babylone et qu'est-ce que Babylone me dit ? Votre fille a sûrement une migraine, mais ça peut quand même peut-être être la grippe, donc il faut tout de suite que vous alliez voir votre médecin généraliste. Alors que c'est probablement exactement le contraire qu'il faut faire, rester à la maison, au lit et surtout pas aller contaminer tout le monde à l'extérieur. Avec exactement la même symptomatologie, que me dit Ada ? Ada me donne 5 diagnostics qui passent par influenza où il vaut mieux que je reste à la maison, une fièvre rickettsiose, boutonneuse, mais aussi peut-être une méningite virale. Donc dans le premier cas, je dois rester à la maison, dans le deuxième, voir mon médecin, et le troisième, je dois courir aux urgences. Donc à la fin, je ne sais plus ce que je dois faire. Et finalement, Isabelle, qui vous donne une longue liste de possibilités, à peu près toutes les causes de fièvre qui existent, en passant évidemment par la maladie de Lyme. Donc vous imaginez la génération de surdiagnostics, d'angoisse chez les patients. Voilà, ça c'est ce qui est disponible sur le marché. Babylone est même maintenant au cœur d'une polémique assez sérieuse qui illustre bien la guerre entre les technologies et les docteurs. Babylone a signé un gros contrat avec NHS pour que les patients en Angleterre utilisent l'application avant d'imaginer aller voir un médecin. Pourquoi, quand on leur demande « vous avez cette chance ?» Eh bien, parce que nous sommes l'un des prestataires de soins de santé primaire les plus sûrs de UK. Et comment peuvent-ils affirmer ça ? On ne sait pas très bien. En tout cas, des plaintes ont commencé à être déposées par des médecins généralistes. Par exemple, en disant, si on rentre dans l'app que vous êtes un homme de 66 ans, gros fumeur, que vous avez une douleur thoracique et que vous transpirez, Babylone vous dit que vous avez une crise d'angoisse, alors que NHS dit quand même que peut-être il faudrait penser à un infarctus. Donc des plaintes ont été déposées qui n'ont pas du tout plu à Babylone, qui a répondu, certains voudraient nous voir échouer, recours à des attaques anonymes, et ce n'est même pas des médecins, alors que c'était des vrais médecins. Du coup, quand même, NHS s'est un petit peu inquiété. La commission de qualité a dû faire une investigation de cette app et conclut que dans certains domaines, quand même, Babylone n'a pas l'air très sûr.
Mais le rapport a subi une attaque de Babylone à la Haute Cour et a dû être censuré par la Haute Cour pour enlever les paragraphes qui ne plaisaient pas à Babylone. Qui, pendant ce temps-là, s'est dit « il faut quand même qu'on fasse quelque chose ». Donc, ils ont certifié leur dispositif médical par l'équivalent de leur Swiss Medic, mais en classe 1, ce qui leur évite de faire la moindre étude de validation, alors qu'on pense que ces outils devraient être en classe de dangerosité de type plutôt 2A, qui demande une validation clinique réelle. Raison pour laquelle une lettre au BMJ « Could Babylone please supply evidence ?» Donc là, Babylone s'est réveillée, s'est dit « bon, on va quand même faire une petite étude clinique, on prend 50 vignettes, on les fait passer dans notre machine et dans des médecins généralistes et on regarde qui gagne ». Et conclut de leur étude, notre intelligence artificielle diagnostique les patients mieux que les humains. L'étude n'a pas été publiée, n'est ni peer-reviewed, elle est de mauvaise qualité, d'où une lettre au Lancet hier qui dit qu'il y a des sérieux problèmes méthodologiques. Donc ce ping-pong va continuer encore probablement longtemps, mais pendant ce temps-là, il y a quand même 2,5 millions de personnes en Angleterre, au Rwanda, en Irlande, qui utilisent Babylone pour se diagnostiquer plutôt que d'aller voir un médecin. Quel est le gros problème ici, en fait? C'est qu'il y a une confusion totale parce qu'un patient n'a pas besoin d'avoir un diagnostic, il a besoin de savoir ce qu'il doit faire. Il doit avoir un triage. Et là, il y a une application nettement mieux des Hollandais qui, d'ailleurs, ont travaillé avec la Société de médecine des familles où ils ne donnent pas de diagnostic, mais disent pour la même constellation de ma fille qu'il faut qu'elle se repose à la maison, boive beaucoup, prennent du paracétamol, on clique pour savoir quelle est la bonne dose et attendent voir ce qui se passe. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. En fait, ma fille avait une insolation solaire parce qu'on avait été faire une longue balade en montagne. Aucune de ces applications n'a sorti le diagnostic. Finalement, une liste de diagnostics est beaucoup plus utile pour le spécialiste. Par exemple, nous, en maladie tropicale, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que cette application Gideon existe. Et on l'utilise surtout pour voir les diagnostics rares dans des contrées reculées. Donc, on regarde le bas de la liste, ce qui n'est pas très fréquent pour être sûr qu'on n'a rien oublié quand on évalue le patient. Mais de nouveau, ça, pour un médecin de première cour, ce n'est pas vraiment ce qu'il lui faut. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est s'il doit hospitaliser ou non son patient, quel test de labo il doit choisir dans la jungle des tests qui sont à l'heure actuelle disponibles sur le marché. Et que signifie le résultat de son test dans le contexte clinique particulier de son patient. Et donc, c'est avec cet état d'esprit qu'on développe des algorithmes, aussi bien pour l'Afrique que pour la Suisse. Notre première étape, c'est vraiment justement de définir quelle est notre patient cible, pas toute la médecine comme font ces applications, et le soignant cible. Donc, par exemple, pour l'Afrique, c'est un enfant de 2 mois à 5 ans qui se présente avec une fièvre à un centre de santé primaire. Et pour les Suisses, on a développé une application pour les urgences ambulatoires ou les généralistes qui voient des patients au retour de voyage avec aussi de la fièvre. Donc, comment on construit ces algorithmes? On commence par une revue structurée de la littérature qui nous fait une search dans PubMed énorme parce qu'on a quand même déjà rien, même en définissant un syndrome précis, énormément d'articles. Donc, ça prend beaucoup de mois pour évaluer tout ça. Une de nos doctorantes a travaillé presque une année là-dessus. Mais évidemment, les études qu'on a à disposition à l'heure actuelle sont souvent faibles. On a peu d'évidence, raison pour laquelle on se retrouve à devoir faire des études nous-mêmes. Par exemple, le point de départ pour créer un algorithme, c'est connaître la probabilité pré-test, comme on dit, la prévalence de chaque maladie causant le syndrome en question. Donc, on a fait une large étude avec Laurent Kaiser, qui a fait toute la partie microbiologique et son équipe, où on a regardé les causes de fièvre chez 1000 enfants en Tanzanie en utilisant plus de 25 000 tests biologiques en plus de toutes nos données cliniques. Et on a pu montrer que la majorité de ces enfants avaient en fait des infections virales, très souvent de la grippe. Donc, ils n'ont pas besoin d'antibiotiques pour la plupart d'entre eux. À cette même occasion, on a toutes les données cliniques qui nous permettent de voir quels prédicteurs on pourrait utiliser, parce qu'évidemment, la plupart de ces tests de labo ne sont pas disponibles en Afrique, et surtout au centre de santé primaire, ça n'a pas de sens. Donc, on utilise ce qu'on appelle les Classification and Regression Tree Analyses, qui nous permet de jouer avec la sensibilité et spécificité des prédicteurs cliniques pour essayer de trouver le diagnostic. Mais là, à nouveau, souvent,
sur la base uniquement de la clinique, on n'arrive pas toujours au niveau de performance qu'on veut. Donc, on a aussi fait des études sur les biobanques qu'on collecte à l'occasion de chacune de ces études pour voir si on trouve des biomarqueurs, soit de sévérité, qui nous dirait quel enfant risque de tourner vers une infection sévère et devrait être envoyé à l'hôpital, ou alors pour essayer de distinguer ce qui est bactérien ou sérieusement bactérien de ce qui est viral. Ça, c'est une collaboration avec l'Université de Toronto. On intègre ensuite toutes ces informations pour finalement créer un outil qui soit vraiment utile pour guider le clinicien tout au long de sa consultation. Donc, pas juste lui balancer, si je peux dire, une liste de diagnostics, mais plutôt choisir ceux qui doivent vraiment évaluer et les lier directement à la prise en charge et le suivi du patient. Donc ça a par exemple l'air de ça, ça c'est le plus simple pour le village, pour qu'un agent de santé décide s'il peut soigner le bobo de l'enfant dans le village ou s'il doit quand même l'envoyer et dans quel délai au centre de santé. Avec des algorithmes simples, on peut déjà énormément améliorer la situation. Donc ici, nous avons l'application pour la Suisse. En fait, au cours de toutes nos études, donc, on s'est aperçu que les outils, le software dans lequel on doit transformer ces algorithmes papier en un électronique, une version électronique, n'était pas du tout satisfaisant. En fait, sur le marché, il n'y a pas grand-chose pour vraiment adapter à une consultation médicale. Donc, on a décidé de créer avec l'équipe IT de la PMU et une start-up d'Yverdon qui s'appelle WaveMind. On avait gagné le prix Arcaton à Sion quand on avait pitché l'idée, pour qu'ils puissent nous donner un support permettant de mettre nos algorithmes, par exemple Fever Travel, pour les patients au retour de voyage. Mais on aimerait transformer cet outil en une plateforme qui permettra à n'importe quel clinicien, par exemple chez nous, à mettre son algorithme dessus sans devoir recourir à un spécialiste informatique. Et cette même plateforme qui nous permettrait de créer en tant que clinicien nos algorithmes pourrait être aussi utilisée pour les étudiants en médecine pour apprendre. Et on a donc une collaboration avec le centre pédagogique pour faire une plateforme pour enseigner ces algorithmes. Pour l'instant, j'enseigne aux étudiants en médecine et infirmiers sur du papier. Je leur fais fabriquer des algorithmes sur des grands tableaux. Mais plus tard, on aimerait avoir une plateforme électronique pour ça. Là, je vous montre notre dernier né pour prendre en charge les enfants malades en Afrique. Donc, on a la tablette avec notre algorithme qui indique au clinicien quelles données cliniques clés, vu qu'il a à peine 10 minutes pour faire sa consultation, qu'est-ce qu'il doit vraiment examiner et demander au patient, et s'il doit chercher des paramètres particuliers comme la saturation en oxygène, est-ce qu'il y a une anémie sévère, une hypoglycémie, pour décider d'envoyer rapidement l'enfant à l'hôpital, ou alors faire des tests diagnostiques, vu qu'il peut être pris en charge ambulatoirement, un test rapide de malaria ou un test rapide de CRP. Pour la procalcitonine, c'était encore un gros appareil de biomérieux, mais maintenant, il y a des point of care qui sont disponibles. Et finalement, tout ça donne une recommandation au clinicien. Est-ce qu'il doit hospitaliser, envoyer à l'hôpital qui se trouve à 2 heures de moto son patient, ou s'il doit lui donner surtout un antimicrobien ou non? Donc ça, c'est par exemple une de nos cliniciennes, Samaka, qui prend en charge un enfant. Vous voyez qu'il a l'oxymètre sur le doigt, mais il n'a pas l'air très hypoxémique, comme vous pouvez voir. Et c'est là que la vraie aventure de nos algorithmes commence, parce qu'on va les valider, les faire rentrer dans notre cycle de validation qui prend en fait des années. Raison pour laquelle probablement toutes ces startups que vous avez vues avant n'ont pas du tout la patience d'attendre avant de faire des bénéfices. Parce qu'effectivement, ça prend longtemps. On a nos algorithmes. On avait créé une première génération d'algorithmes qui s'appelait Almanac. On a fait une étude de sécurité et d'efficacité pour finalement passer un petit peu plus à l'échelle, une quinzaine de centres de santé, pour voir si en conditions réelles, ça marchait aussi. Et là, on a découvert toutes sortes de problèmes. La difficulté des cliniciens d'assesser certains symptômes et signes qui étaient trop difficiles, trop subjectifs, raison pour laquelle on a repensé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un cycle. On va d'avant en arrière, on est retourné, changer l'algorithme pour le rendre plus objectif, plus efficace, et rebelote, on refait une clinical trial randomisée déjà pour voir si c'est sauvé. Donc, vous voyez que c'est tout un processus. Là, je vous montre par exemple la dernière étude qu'on a faite pour
cet algorithme qu'on appelle IPOCT. On a inclus, donc vous voyez pas 50 patients, mais plutôt 4000 âgés de 2 mois à 5 ans dans 9 centres de santé. Un bras, ils étaient pris en charge comme de routine, sans tablette, sans rien. Un bras avec notre ancien algorithme et un autre avec la dernière version IPOCT. Et on les suit de très près, c'est demandé par les comités d'éthique, parce qu'évidemment, notre algorithme restreint énormément la prescription d'antibiotiques. Et vous voyez que l'impact qu'on a eu sur le taux de guérison dans le bras routine, 95%, dans notre première génération Almanac, 96%, et le dernier algorithme, 98%, on ne s'attendait même pas à une amélioration. C'est des enfants en ambulatoire qui ont des maladies bénignes qui guérissent facilement. Probablement qu'on a quand même améliorer la target du bon antibiotique à la bonne dose pour les quelques-uns qui en ont besoin. À l'échelle d'un pays comme la Tanzanie, ça pourrait représenter 1 million d'échecs cliniques évités par an, c'est pas rien finalement, mais surtout l'impact qu'on voulait, c'était sur les antibiotiques pour diminuer cette prescription absolument démentielle qu'on a dans les pays, surtout au sud. Dans le bras routine, vous voyez que à l'heure actuelle, tous les enfants presque reçoivent un antibiotique systématiquement, quelle que soit la présentation clinique qu'ils ont. Avec Almanac, on avait déjà pu diminuer cette prescription à 30%, et avec IPOCT, on est descendu jusqu'à 11%, qui est proche de la prévalence réelle d'une maladie bactérienne qu'on avait pu documenter avec Laurent dans notre étude initiale. Mais on a aussi pu shifter les antibiotiques de ce groupe d'enfants avec probablement infection respiratoire plutôt virale, pneumonie, aux enfants qui présentaient des infections plus sévères. Donc on a mieux targeté aussi les antibiotiques. Notre prochaine étape, c'est de continuer ce cycle de validation en faisant la même chose, mais en conditions réelles, regarder les coûts et surtout maintenant adapter cet algorithme qui est finalement générique et statique en quelque chose de dynamique. Donc le Dynamic Project serait qu'on va commencer normalement l'année prochaine pour 5 ans. On étend le contenu médical à toutes, pas que les fièvres, mais toutes plaintes aiguës, avec un nouveau software et une meilleure connexion à nos biosenseurs, qu'on va implémenter dans 70 centres de santé, dans un district avec beaucoup de malaria, un district avec très peu de malaria, pour voir comment l'algorithme se comporte. Ce qui fait qu'on devrait avoir à peu près 500 000 d'enfants pris en charge par ces tablettes par année. Et ceci va nous permettre enfin d'avoir du big data, si on peut dire, parce que vous pouvez bien imaginer que dans chaque sous-groupe d'infection, on avait très peu d'enfants, même avec 4000 enfants. Là, on va avoir une grande quantité et variabilité de données qui nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe et de faire du machine learning en collaboration avec le labo du professeur Martin Yagi à l'EPFL, et adapter l'algorithme en gardant un œil clinique sévère sur ce que la machine va nous dire pour adapter l'algorithme en temps presque réel et l'uploader à nouveau sur les tablettes des cliniciens. Ceci nous permettra surtout d'adapter l'algorithme à d'éventuelles épidémies, mais aussi de donner des informations à la santé publique qui va enfin savoir un petit peu ce qui se passe dans le pays, surveiller mieux ces maladies et peut-être même détecter des épidémies. Donc c'est un design adaptatif où pendant une première phase avec une step wedge, on va déjà revalider IPOCT pour être sûr qu'on retrouve les mêmes résultats en termes de sécurité et d'efficacité dans des conditions normales. Et c'est là qu'on va activer le machine learning et prendre des sous-groupes d'enfants d'intérêt particulier qu'on randomise directement sur la tablette avec, pour les uns, l'algorithme actuel et pour les autres, une nouvelle branche ou quelque chose qu'on modifie dans l'algorithme, et on regarde tout de suite si on a un impact clinique. Si on a une meilleure outcome, on garde le changement dans l'algorithme. Si c'est mauvais, on l'enlève et on recommence, on en cherche un autre. Et on peut intégrer des nouveaux tests rapides qui apparaîtraient sur le marché au cours de l'étude. S'il y a un nouveau test de typhoïde plus performant, point of care, on peut l'inclure et voir s'il est utile cliniquement. Il peut être très bon en labo, mais complètement inutile en pratique. Et c'est là qu'on fait le machine learning. Alors, je vous dis en quelques mots ce qu'on va faire, mais d'un point de vue d'un clinicien, parce que j'y comprends rien par ailleurs. Je pose des questions sans arrêt pour essayer de comprendre. Ce que j'ai compris, c'est qu'une des premières choses qu'on a,
C'est comme l'algorithme est programmé pour suivre une logique médicale, évidemment, ça génère toute une sorte de données, quantité de données manquantes, parce qu'on ne demande pas tout à tous les enfants. Alors, comment quand même permettre d'avoir la meilleure collection de données la plus performante? C'est là où le machine learning peut nous aider en nous proposant de manière aléatoire de prendre ces informations en plus ou en moins dans certains sous-groupes de patients. Donc, ça va nous permettre de prédire les données manquantes et parfois d'identifier des nouveaux prédicteurs cliniques pour optimiser les combinaisons. Et l'autre but du machine learning, c'est améliorer la prédiction de la maladie en adaptant, et c'est là où ça devient un peu de la médecine personnalisée, adapter l'algorithme aux caractéristiques socio-démographiques, cliniques et spatio-temporelles du patient. Par exemple, en détectant dans les data un pattern inhabituel, on voit par exemple, imaginons dans quelques villages, une proportion de diarrhée beaucoup trop importante, vous savez que c'est comme ça qu'Ebola avait commencé. Donc si on détecte ça, on a des centres sentinelles où on peut faire de la microbiologie, explorer ce qui se passe, et essayer de comprendre s'il y a une épidémie et adapter l'algorithme. On aurait donc une réponse immédiate pour la prise en charge des patients et pas juste des statistiques au niveau santé publique pour un bénéfice direct du patient. Et autour de tout ça, qu'est-ce qu'en pense l'humain? Parce que tout ça, c'est très sophistiqué, mais finalement, l'être humain qui utilise ces outils, qu'est-ce qu'ils en pensent? On fait toujours des études qualitatives au cours de toutes nos recherches. Et là, c'est la dernière qu'on a faite dans le cadre d'un gros projet de Terre des Hommes au Burkina Faso, où ils ont implémenté dans 8 districts, c'est vraiment l'expérience à la plus large échelle qui existe à l'heure actuelle, 252 centres de santé qui utilisent une tablette avec l'algorithme, l'ancien algorithme de l'OMS, qui a ses limites, mais qui permet au moins de voir ce qui se passe quand on prescrit quand on utilise des tablettes à large échelle. Et ce que nous dit par exemple cette accoucheuse dans un des centres de santé, c'est que si tu enregistres dans le REC, tu apprends en même temps. Même si un jour il n'y a plus de tablette, elle est en panne, elle a été volée ou je ne sais pas quoi, tu pourras bien traiter les enfants de 0 à 5 ans. Elle nous expliquait bien qu'elle avait les figures de sa tablette par cœur dans la tête. Et finalement, on a parfois peur qu'on rendrait les cliniciens stupides, mais en tout cas, eux témoignaient clairement que ça augmentait leur connaissance. Ils disaient aussi que ça leur donnait confiance en eux. L'application nous apprend parce que tu ne peux pas tout retenir dans ta tête avec le REC, c'est le nom de la tablette. Ça te rappelle à tout moment tu es en face, tu peux maîtriser et ils ont l'impression que face aux patients, une tablette, ça fait sérieux, c'est un outil moderne qui montre une qualité de prise en charge. Le président de comité de gestion du village, lui, dit: ah, maintenant, les infirmiers nous posent plus de questions sur l'enfant et le touchent plus qu'avant, évidemment, parce que la tablette leur dit exactement qu'il faut chercher tel et tel signe. Donc, paradoxalement, on pourrait dire que la technologie diminue la communication, mais là, en l'occurrence, ils témoignent plutôt que ça l'améliore parce que la tablette les oblige à poser beaucoup plus de questions. Et ce chef de village disait quelque chose d'un peu mystérieux, la tablette magique, comme il l'appelle, dit « on était dans les ténèbres, maintenant on est dans la lumière ». Moi, je comprends ça comme nos cliniciens ne peuvent plus faire n'importe quoi, nous vendre 5 antibiotiques pour gagner de l'argent, la tablette leur dit qu'il n'y en a pas besoin. Et ils étaient tellement contents qu'ils ont dit « s'il n'y a plus de tablette, on va l'acheter avec les fonds du village nous-mêmes parce qu'on est tellement contents de tout ça ». Finalement, ce que moi j'ai le plus observé, c'est vraiment ce que dit René Berger et Solange Gernauti de notre faculté HEC. Toute innovation technologique est à double face, non pas selon le bon ou mauvais usage qu'on en fait, mais selon le changement qu'elle opère dans la distribution et l'exercice du pouvoir. Elle enlève le pouvoir à certains, un peu aux cliniciens, aux médecins, pour le donner à d'autres, un peu plus aux patients, en changeant la réalité pour tous. En tout cas, ça a l'air de leur donner beaucoup de fierté et plus d'autonomie sur le terrain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Valérie. Pour certaines personnes, ça fait peur. Pour d'autres, ça rassure qu'on n'est plus tout seul et on nous aide, on nous accompagne. C'est en tout cas
un merveilleux outil d'avenir pour certains qui ont lu soit Sapiens, soit Homo Deus. C'est un objet de réflexion aussi associé. Merci infiniment et on te souhaite bonne chance pour la conduite de toutes ces études qui sont extrêmement importantes. Et on se réjouit de connaître les résultats. Comme je l'ai dit, les deux présentations seront groupées à la fin pour poser des questions. Avant d'introduire l'orateur suivant, je vous raconte une histoire qui s'est passée cette semaine. Notre médecin de Piquet, le professeur Guéry, a été interpellé un soir entre 20h et 22h au moment où le patient est arrivé. Le patient était transféré, rapatrié ou en jet privé venant du Moyen-Orient avec un tableau clinique qui ne semblait pas s'améliorer. Et dans le diagnostic différentiel, il y avait un des tableaux cliniques qu'on a évoqué tout à l'heure, MERS, pour ce syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Alors ça fait peur à tout le monde dès qu'on l'évoque, parce qu'il y a toute une série de choses qu'il faut faire. Mais ça montre que cette situation clinique qui vous semble relativement lointaine quand vous lisez la presse, oui, c'est quelque part au Moyen-Orient, ça peut être chez vous en quelques heures. Non seulement vous devez le connaître, mais vous devez avoir une procédure interne bien huilée sur qu'est-ce que vous allez devoir faire au moment où le patient ou l'ambulance vient frapper à votre porte. Et tout ceci nécessite une coordination entre différents corps de métier et spécialistes qui est absolument nécessaire. Et qu'a-t-on fait? Ben, le lendemain matin, on a appelé le professeur Kaiser à Genève pour lui dire qu'on allait lui envoyer un échantillon de manière à ce qu'il puisse nous dire oui ou non le plus rapidement possible. S'agit-il d'un syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou pas? Le diagnostic différentiel était plus grand, on n'avait pas de tablette appropriée pour y arriver, et Laurent nous a très rapidement, avec son équipe, répondu en disant le test est négatif. C'était un grand ouf et tout le monde était soulagé, mais beaucoup de gens avaient travaillé de manière assez intensive entre la réception du patient, la prise en charge et tout le reste, de manière à ne pas faire trop de bêtises si jamais le test était positif, qui aurait eu des implications pratiques. Voilà une situation pratique. On a parlé de virus émergents et le professeur Kaiser est un grand spécialiste dans le domaine. Le professeur Kaiser est chef des maladies infectieuses au HUG à Genève. Il dirige aussi le laboratoire de virologie au HUG depuis 2006, les chefs de maladies infectieuses depuis 2013 et s'est toujours passionné pour la virologie clinique. Il était formé dans un centre réputé à Charlottesville aux États-Unis sur la virologie clinique et il est revenu à Genève à développer. Il a été intéressé au VIH et à tout autre virus, en particulier les virus respiratoires. Il a développé un laboratoire de pointe dans le diagnostic associé à une recherche translationnelle extraordinaire avec un nombre de publications impressionnantes et surtout une disponibilité remarquable. Vous l'avez entendu à travers les travaux de Valérie Dacremont et on l'a pu le tester cette semaine aussi, comme on l'a testé à plusieurs reprises quand on lui envoie un échantillon. Les choses sont prises en charge de manière remarquable et la réponse suit très, très rapidement. Il est centre de référence non seulement au niveau national pour influenza, mais il a surtout créé, on se réjouit de voir le développement de son centre, le Geneva Center for Emerging Diseases and particularly Emerging Viruses. C'est un grand spécialiste du domaine qu'on accueille ce soir. Laurent va nous parler de virus émergents et prédictions, et j'aime bien le titre entre magie et science. Merci Laurent d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci Thierry pour cette trop gentille introduction. C'est un plaisir, mais c'est aussi un honneur d'être ici. Donc, je vous remercie pour l'invitation, Jean-Daniel. C'est avec plaisir que je fais ça. C'est
Il y a deux raisons. Tout d'abord, je suis plus près de la maison ici qu'à Genève. Et donc, ceci pour illustrer que ce n'est ni aux CHUV, ni aux HUG qu'on fait la meilleure médecine, mais j'en suis convaincu que c'est sur l'arc lémanique. Le deuxième point, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup de collaborations avec des très grosses collaborations grâce à Valérie, et je suis très heureux de la rencontrer ce soir. Elle a rencontré ma collègue du centre cet après-midi à la gare de Cornavin, et puis j'aurai au moins l'occasion de la voir en chair et en os, plutôt que sur Skype, au téléphone ou au bout d'un email. Je vais commencer par faire un zigzag dans les virus émergents et dans des histoires qui me tiennent à cœur, en essayant de garder quand même une certaine logique. On est en 1999, et des collègues de New York observent 3 décès de méningoencéphalite, et puis les vétérinaires en parallèle observent que des corbeaux tombent des arbres à Manhattan et décèdent d'un virus qui sera rapidement identifié comme le virus du West Nile. Le virus du West Nile va s'étendre en l'espace de 5 ans à travers les États-Unis, tant chez les animaux que chez les humains, et causer des méningoencéphalites, et conduire à des conclusions, à des choses aussi simples que de screener l'ensemble des donations de sang du pays en l'espace de quelques mois. Le virus du West Nile a été découvert en 1940. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais introduire ici, c'est qu'on appelle émergent des choses qu'on définit comme émergent, mais au final, en se retournant sur le passé, vous verrez de plus en plus que c'est des choses qui circulent, on vit avec ces virus, et j'aimerais qu'à la fin de cette séance, vous aimiez ces virus et que vous n'en ayez pas peur. Alors, comme c'est un 5 à 7, je pourrais parler 2 heures de tous ces virus. Je vais essayer de me restreindre à 30 minutes, et puis me concentrer sur 2 ou 3 exemples récents qui me semble parlant en joignant un peu de biologie et également de santé publique. Je parlerai également de 2 ou 3 virus qui sont importants pour la Suisse, mais surtout je vais commencer par le maître de tous, qui est le virus de la grippe, en vous rappelant qu'en 2009, quand bien même beaucoup ont dit qu'on en a trop fait, on a assisté à une véritable pandémie. La seule différence, c'est qu'elle n'avait pas une mortalité de 1% comme en 1918, mais qu'elle avait une mortalité de 0,1% ou quelque chose comme ça, qui est similaire à celle qu'on observe chaque année avec le virus de la grippe. Alors, quel est le virus le virus de la grippe est un archétype de ces virus émergents. Et puis ici, c'est juste pour introduire ce qu'est un virus, très simplement. Au passage, Jean-Daniel, nos collègues microbiologistes ne considèrent pas que les virus font partie du monde du vivant. Ils considèrent que évidemment, les bactéries, les cellules, les parasites sont des êtres vivants. Les virus, c'est des parasites. C'est des parasites, ils ont besoin d'une cellule pour survivre. Et ils le font en s'accrochant tout d'abord à la cellule avec des récepteurs de surface. Et pour le virus de la grippe, ce sera l'hémagglutinine qui sera aidée par une autre glycoprotéine qui est la neuraminidase. Et puis, comme tous ces virus, ils sont leur matériel génétique est important et il est protégé à l'intérieur d'une enveloppe ou d'une capside. Le point important ici sont ces glycoprotéines de surface qui vont aider le virus à s'accrocher et puis être reconnu par le système immun. C'est des maîtres de simplification, c'est des organismes extrêmement petits. Vous avez ici l'ensemble de virus qui sont relevants pour l'être humain. Ça, c'est le virus de l'Ebola, c'est à taille réel comparé, puis vous voyez que certains sont très petits. Le point important que je veux mentionner ici, c'est qu'un virus comme celui de la grippe est capable de créer des pandémies avec seulement 8 gènes et une douzaine de protéines. Si vous comparez ça à un Escherichia coli, qui est un des pathogènes les plus fréquents qu'on trouve dans les hémocultures dans cet hôpital, vous avez 4300 gènes. Et puis la plupart de ces virus sont des virus à ARN. Lorsqu'une cellule se réplique, elle réplique fidèlement son matériel génétique. Lorsque vous avez un virus à ARN, pour des raisons diverses, mais en particulier liées à l'enzyme qui réplique le matériel génétique, vous finissez très rapidement avec une soupe de virus qu'on appelle des quasi-espèces, qui sont dues à l'apparition de mutations. Alors, on mentionne souvent qu'il y a des mutations, donc c'est dangereux. Il faut bien retenir que la plupart des mutations ne procurent pas davantage au virus, et la plupart vont conduire à l'extinction des espèces qui portent cette mutation. C'est des phénomènes qui sont évolutifs et qui prennent un certain temps. Lorsqu'on
naît avec un autre phénomène qui est soit la recombinaison, soit l'échange de gènes pour le virus d'influenza, car il a des gènes segmentés. Il est capable, lorsqu'une cellule est infectée par deux virus, d'échanger ces gènes. On a d'autres phénomènes. On a un gros changement, une grosse cassure antigénique. On appelle le genetic shift. Ça permet au virus d'acquérir subitement un grand nombre de nouvelles caractéristiques génétiques et potentiellement phénotypiques. Évidemment que l'ensemble de ces événements génétiques n'ont aucune répercussion s'ils ne sont pas associés à des répercussions phénotypiques, que ce soit au niveau transmission, au niveau apparition de résistance ou échappement à un vaccin, par exemple. L'autre point important, et c'est particulièrement vrai pour le virus de la grippe, c'est qu'on partage environ 80% des virus avec le monde animal. Mais quand on dit ça, on parle de cousins un peu éloignés. Et on va introduire cette notion de la barrière des espèces. C'est-à-dire que si vous êtes exposé à un virus qui infecte un de ces rongeurs, il est très, très improbable que celui-ci va infecter l'homme, quand bien même il est extrêmement similaire. L'exemple typique est celui de la grippe, de nouveau. Vous avez un réservoir de grippe qui est énorme à travers le monde animal, et vous avez 17 différentes hémagglutinines que je vous ai caractérisées auparavant. Seulement, chez l'homme, jusqu'à présent, on a observé que 3 types d'hémagglutinine qui ont réussi à faire le chemin à travers la barrière des espèces et à créer un réservoir chez l'homme. Et ceci vous montre très clairement l'importance de cette barrière des espèces. On pourrait faire des exemples similaires avec des virus comme ceux du monkeypox, des virus dérivés de la variole, etc., chez le monde animal, qui n'ont pas la capacité d'infecter l'homme ou seulement lors d'accidents absolument exceptionnels ou particuliers. Lorsqu'on s'est préparé à la pandémie il y a une quinzaine d'années, c'était en particulier suite à l'apparition il y a 20 ans d'un virus aviaire, le H5N1, qui a émergé à Hong Kong et qui a tué quelques dizaines d'hommes, mais surtout qui a disséminé le monde animal et en particulier les poulets. Et on s'est préparé pour l'avènement d'un nouveau virus aviaire qui pourrait infecter l'homme. Depuis 20 ans, ce virus évolue par accumulation de mutations, comme je vous l'ai expliqué. Et ce qui se passe, c'est que se poser la question, est-ce que ce virus va être capable de traverser ce qu'on appelle cette barrière des espèces, aller de l'homme chez l'animal. Et 20 ans, toujours pas d'événement de ce type, c'est que des accidents exceptionnels, d'exposition très rapprochée. Et puis ce que vous voyez ici, c'est une évolution constante avec l'apparition et la disparition de différents clades de virus, c'est-à-dire certaines mutations vont conduire à la disparition, d'autres vont permettre d'infecter d'autres animaux, etc. Un phénomène évolutif donc constant. Si on prend un autre exemple, c'est le virus de la grippe de 2009, et que vous essayez de reconstruire ce virus. Ce virus a créé une pandémie, et si vous essayez de reconstruire l'histoire de ce virus, vous allez retrouver le virus de 1918. Au fond, la plupart des gènes qui ont construit ce virus de 2009 proviennent d'une manière ou d'une autre du virus H1N1 de 1918 et ont évolué pendant une centaine d'années, soit dans certains animaux, soit se sont réassortis dans différentes hôtes, avec également une évolution à travers ces hôtes, pour arriver à celui de 2009. Imaginez si vous êtes en charge de la santé publique et que vous devez prédire ça. C'est terrible, même avec les meilleurs algorithmes, Valérie. Pour essayer de comprendre, il y a des collègues américains qui ont fait des études absolument passionnantes au début des années 2000, fin des années 90. Ils ont retrouvé des éléments de pathologie de l'armée américaine. Ils ont également été dans les permafrosts. Et puis, ils ont reconstruit petit à petit le génome entier du virus de la grippe de 1918. Vous avez une photo de ce virus qui existe sous sa forme vivante dans plusieurs laboratoires. Et la question, est-ce que ceci nous a permis de prédire quelque chose? Je crois que la réponse est non. On a beaucoup appris en termes de pathogénèse, on a appris en termes d'évolution. Mais à ce jour, ceci ne nous a pas permis d'aider à mieux prédire quel serait le virus de la grippe qui va faire la prochaine pandémie. En 2009, on a eu un virus de porc et tout le monde attendait un virus aviaire. Et c'est finalement quelque chose qui est arrivé par derrière. Donc pour résumer cette partie sur la biologie, j'aimerais juste prendre l'exemple des présidents américains. Vous avez un premier président américain qui s'appelle George Washington, suivi d'Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson.
Ces deux derniers sont importants puisqu'Abraham Lincoln, par accumulation de mutations, a donné d'abord naissance au Parti républicain, et puis Thomas Jefferson, une autre lignée qui a évolué, qui sont les démocrates. Jusqu'en 2008, où il y a eu un nouveau variant, et puis ces dernières années, quelques autres variants qui se sont révélés comme incapables de s'imposer. Mais qui aurait pu prédire qu'arrive un autre variant qui a réussi, lui, à sauter la barrière des espèces humaines ? Donc je crois que pour résumer cette partie sur la biologie et la prédiction de l'évolution d'un virus, on a encore évidemment beaucoup à faire. Voilà, je vais parler maintenant de deux ou trois de ces exemples récents et vous parler d'une maladie qui s'appelle le chikungunya. Le chikungunya est un virus d'Afrique dans une région chère à Valérie, en particulier en Tanzanie où il était le plus connu ici sous sa forme rouge. Vous avez plusieurs formes de ce virus sous différentes parfums, si vous voulez, avec des sous-espèces ou des génotypes, quelle que soit la dénomination, ce n'est pas très important. Si vous m'aviez demandé au début des années 2000 de nommer un virus qui commence par C, qui finit par A et qui a un K et un Y dedans, j'aurais probablement été en mal de vous le nommer rapidement. Jusqu'en 2007, où ce virus est apparu sur l'île de la Réunion sous une forme un petit peu différente, vous voyez qu'ici il est orange plutôt que rouge, et avec un vecteur qui est un peu différent de celui qu'il avait l'habitude d'utiliser. Les chiffres ici ne sont pas très importants, mais environ 50% de la population de l'île a été infectée et le virus a ensuite sauté pour aller en Inde où il a infecté des millions de personnes et puis par la suite est passé en Amérique du Sud, je reviendrai. Que s'est-il passé ? On suppose qu'une seule mutation à la surface du virus a permis d'adapter le virus à un nouveau vecteur et que dans ce vecteur, on avait des virémies qui étaient 10 à 100 fois plus élevées que d'habitude. Alors, j'aimerais juste souligner ici que ça, c'est un événement absolument exceptionnel. En général, un virus, pour s'adapter à un nouvel hôte ou pour passer chez l'homme, il a besoin de plusieurs mutations. C'est rarement un seul élément qui fait la différence. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas très souvent. Ici, c'est un exemple exceptionnel. Mais au fond, ce n'est que le début de l'histoire, car très vite, il a continué à évoluer. Et évoluant, il a sauté les continents pour se retrouver en 2013 en Amérique du Sud. Et en l'espace de quelques années, il y a plusieurs millions de personnes qui ont été infectées par ce virus chikungunya, avec deux génotypes différents. Donc une histoire assez impressionnante en l'espace de quelques années, et qui est associée également à une évolution du virus. Si vous séquencez le virus en Inde, si vous séquencez le virus en Amérique du Sud, vous perdez la notion de cette mutation unique, vous avez 36 000 autres mutations qui apparaissent et des adaptations aux différentes circonstances que le virus va rencontrer. L'année passée, au sud de Rome, lorsque je passais dans cette région pendant mes vacances en septembre, il y a eu un stop des dons de sang dans toute cette région, car il y a eu une centaine de cas de chikungunya. Et le point important ici, c'est qu'il était importé, mais surtout que le vecteur, l'albopictus, est présent dans ces régions. Et en Europe, vous avez ici une carte où le vecteur potentiellement qui puisse transmettre le chikungunya est présent en Europe. Faudra-t-il encore que le virus survive l'hiver et que les larves survivent l'hiver ? Alors, le problème du chikungunya, c'est qu'il est arrivé en Amérique du Sud, dans un endroit où circulait la dengue, dont je ne vais pas discuter aujourd'hui, mais qui est réellement un des virus les plus importants lorsqu'on parle de maladies virales, et puis où a circulé ces dernières années un virus qui s'appelle le Zika. Si j'essaie de résumer pour les non-spécialistes, et c'est clair que ceci ne rentrera pas dans les algorithmes de Valérie, parce qu'il y a beaucoup de finesse quand même de la part des médecins tropicologues pour reconnaître les maladies, mais en deux mots, ces virus partagent les mêmes vecteurs, ont des symptômes similaires, et pour les deux que j'ai marqués ici en orange, le Zika et la dengue, ont des réactions diagnostiques croisées qui compliquent énormément la vie des cliniciens. Donc vous voyez un peu la complication pour des pays comme l'Amérique du Sud quand vous avez une co-circulation de ces virus. Alors dengue et Zika, c'est l'occasion de discuter deux minutes sur ce qu'on appelle les flavivirus. Les flavivirus sont de nouveau des virus ARN qui font partie de la même famille qui se décline sous différentes conditions en fonction des continents et des vecteurs qu'ils utilisent pour se transmettre. Je vais
souligner deux ou trois histoires récentes concernant ces flavivirus, le chikungunya n'étant pas un flavivirus. Le point important également, c'est que ces virus sont extrêmement similaires et ont des capacités de cross-réagir dans nos tests diagnostiques, mais également avec la réponse immune. Vous pouvez imaginer que si vous avez des virus très proches, lorsque vous êtes infecté par un, ceci peut influencer votre réponse à d'autres. Fièvre jaune, c'est une maladie qui n'est pas nouvelle. Elle était décrite, d'abord le vecteur a été décrit par un médecin cubain à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui a mis très clairement la relation entre la présence du vecteur et de la maladie virale. Et puis ensuite, la maladie était caractérisée par ce soldat américain qui était médecin et qui était surtout affecté à surveiller les travailleurs qui mouraient un après l'autre de fièvre jaune lors de la construction du canal de Panama. Le fièvre jaune a été isolé dans les années 30 par un monsieur qui s'appelle Adrian Stokes, à partir d'un homme dont vous avez la photo ici, qui s'appelle Azibi. Et c'était, sauf erreur, maintenant j'ai un doute, je ne sais plus, c'était au Ghana, je crois. Oui, c'est au Ghana. Monsieur Stokes, par ailleurs, est décédé de la fièvre jaune quelques années après, lors de ses expériences. Il y a eu plusieurs épisodes récents de fièvre jaune. Le plus récent est au Brésil, sur 2 années. Et en 2018, il y a eu 1300 cas qui ont été diagnostiqués. Il faut bien se rendre compte également qu'il y a tous les cas qu'on ne diagnostique pas, parce que ce n'est pas une maladie mortelle dans tous les cas. Mais vous voyez que la mortalité ici est assez impressionnante sur les cas identifiés. Et puis, il y a une 20aine de cas exportés, dont un Suisse qui est décédé à Zurich d'une hépatite fulminante. Le problème, c'est que bien qu'on ait un super vaccin, ce vaccin est tombé en rupture de stock. Et pour contenir l'épidémie, l'OMS a proposé des stratégies où il s'agissait d'utiliser 1/5 de la dose. Quand vous utilisez 1/5 de la dose, vous pouvez éventuellement produire une immunité protectrice, mais elle sera de courte durée. Vous voyez un sérieux problème d'intervention en termes de santé publique. Le vaccin de la fièvre jaune est un vaccin vivant atténué qui a fait ses preuves et dont l'origine date de 1937. Il a été dérivé de la première souche de fièvre jaune isolée chez M. Azibi. Voilà les progrès thérapeutiques qui ont été faits pour développer ces vaccins ces dernières années, en tout cas pour la fièvre jaune. L'autre question qui se pose pour la fièvre jaune, c'est si vous allez sur le site du CDC qui vous donne les cartes où il y a des agents viraux dangereux, vous avez l'Amérique du Sud et l'Afrique, vous n'avez pas l'Asie. Et pourtant, en Asie, vous avez le vecteur, vous avez potentiellement d'autres flavivirus, puisqu'il y a la dengue, par exemple, qui circule, l'encéphalite japonaise, etc. Mais à ce jour, il n'y a pas de circulation de la fièvre jaune en Asie, en Chine ou dans ces régions. Et ça, c'est une grande question, une grande interrogation. Est-ce qu'il y a des immunités croisées avec les autres infections? La réponse n'est pas claire. Mais vous imaginez qu'il a potentiellement un territoire énorme où il pourrait s'installer. Le deuxième point, si je reviens sur le vaccin, c'est qu'une grande firme a récemment développé un vaccin quadrivalent qui couvre les 4 souches de vaccins de la dengue avec des technologies nouvelles, pas avec la souche dérivée de 1937. Elle a été mise sur le marché, elle a été testée, maintenant elle fait face à un énorme problème puisqu'on s'aperçoit que les enfants qui étaient naïfs d'infection par un flavivirus et qui ont reçu ce vaccin avaient un taux de complications qui était plus important que lorsqu'ils n'étaient pas vaccinés. On en vient à un autre flavivirus qui est le Zika. Jusqu'en 2007, il y a eu uniquement 14 cas confirmés. Lorsqu'on s'occupait de l'Ebola, j'avais un biologiste qui me dit « Laurent, il faudrait qu'on s'occupe de Zika ». Je lui dis « Écoute, c'est un virus qui fait la grippe, là on a un autre problème ». Je me suis trompé, encore une fois. Ce virus est connu également depuis les années 50. Et c'était très facile de faire la littérature à ce moment-là, parce que je me rappelle très bien, il y avait 14 papiers, c'était fait en 2 heures, et vous étiez le spécialiste mondial du Zika virus. Jusqu'au jour où, en 2015-2016, s'est apparue cette histoire de microcéphalie des enfants qui sont nés au Brésil avec une tête déformée, un cerveau déformé. Et là, je vais faire un essai de technologie. Il nous est possible maintenant de suivre très facilement l'évolution de ces virus
avec des sites qui sont impressionnants, utilisant la phylogénie pour essayer de suivre l'évolution de ces maladies. Vous avez par exemple ici l'évolution de la phylogénie des virus qui ont été séquencés de Zika. Vous avez l'apparition tout d'abord en Asie du Sud-Est, puis qui va sauter en Micronésie dans l'océan Pacifique Sud, puis après s'étendre rapidement au Brésil et en Amérique du Sud. Et puis vous pouvez suivre que le virus devient un peu jaune, un peu rouge, etc., très rapidement. Alors, est-ce que ceci nous aide à prédire cette technologie ? Le problème, c'est que quand on fait de la phylogénie, on vient après. Il faut déjà avoir le virus. Et au fond, pour le Zika, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il n'y a pas eu de prédiction grâce aux nouvelles technologies, mais grâce à cette doctoresse qui s'appelle Vanessa van Linden et à sa mère qui s'appelle Anna van Linden, qui sont tous les deux pédiatres, dont une est neuropédiatre, et qui ont tiqué immédiatement dans la région de Recife lorsqu'ils ont vu apparaître plusieurs cas de microcéphalie et qui ont sonné l'alerte. Le point ici que je veux souligner, c'est que je crois qu'encore en 2018, il est impossible de se passer d'une épidémiologie classique, de bonnes bases de données et de savoir si le taux de microcéphalie qui est observé dans un pays X ou Y correspond à une baseline ou à des événements anormaux. Donc ça, on s'en débarrasse pas, et heureusement d'ailleurs. Le dernier problème qui persiste avec le Zika, qui s'est en deux ans étendu et qui a causé des centaines de milliers d'infections en Amérique du Sud, c'est de savoir est-ce qu'il a circulé dans d'autres pays. Alors beaucoup de spécialistes vous disent oui, il circule en Asie, il circule ici, il a déjà circulé là. C'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est que je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 études sérologiques bien faites et on n'a toujours pas des outils sérologiques qui nous permettent de vraiment caractériser la séroprévalence d'une maladie. Et ça, c'est un autre point que j'aimerais souligner. Je vous ai montré la phylogénie, l'évolution génétique d'un virus, mais si aujourd'hui on me proposait toute la technologie de la faculté de biologie et de médecine de Lausanne, je mettrais beaucoup d'argent sur le développement de nouveaux tests sérologiques qui nous permettent de vraiment caractériser les maladies infectieuses. Alors, en Europe et en Suisse, on a aussi nos flavivirus. Je ne vais pas aller très loin, juste pour vous dire que du West Nile, on a près de 1000 cas maintenant, probablement en Europe et au sud de l'Europe. Le vecteur est également réparti dans le nord de l'Italie et en particulier dans le bassin méditerranéen. Et puis qu'on a aussi notre flavivirus spécialiste en Suisse et en Europe de l'Est, qui est le virus de l'encéphalite atique, dont il y a une progression constante ces dernières années et des recommandations vaccinales qui ont fondamentalement changé par rapport à celles d'il y a 10 ans. Et puis, il y a en 2012, il y a eu une épidémie de dengue également sur l'île de Madère, importée. Donc potentiellement, quand même, des possibilités pour des épidémies localisées. Est-ce que ça peut conduire à l'installation définitive de ces virus? Ça mériterait de longues discussions, mais je pense qu'on n'y est vraiment pas encore. Et puis là, je vous ai parlé des virus que vous entendez parler, puis il y a ceux qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui étaient là depuis des années, en particulier celui-ci qui a causé une épidémie dans la vallée du Cachemire en 78 avec 50 000 hépatites, plusieurs morts. Et puis, rapidement, les investigateurs ont absorbé des extraits de sel de ces patients pour reconduire la maladie qui s'est révélée être une hépatite causée par un nouveau virus qu'on appelait le virus de l'hépatite E. Donc on doit quand même à certains scientifiques beaucoup de choses dans ce domaine. L'hépatite E, c'est une maladie dont la prévalence, on commence à la découvrir, à l'appréhender. Mais le point que je voulais mentionner ici, c'est que pour ma part, ça fait partie des maladies émergentes. Et puis, pour vous rappeler que depuis septembre 2018, tous les dents de sang en Suisse sont screenés par PCR pour la présence de ce virus. La dernière partie de ma présentation sera destinée à l'Ebola, à ce virus dont on ne pensait pas rencontrer, en tout cas en tant que clinicien ici en Suisse. Jamais j'aurais pu imaginer il y a quelques années que je m'occuperais de patients qui souffrent d'Ebola. La raison pour laquelle on le fait, c'est parce que notre centre est le seul en Suisse finalement à pouvoir proposer un diagnostic de ces maladies virales émergentes qui posent des problèmes dont Thierry vous a mentionné auparavant. 24 heures sur 24, 7 sur 7, avec les investissements supportés par notre institution dans un laboratoire dit de biosécurité. Pas parce qu'on aime s'amuser avec les choses dangereuses, mais parce que les régulations nous imposent d'utiliser des laboratoires dits de biosécurité.
On est en partie aidé par le laboratoire de Spitz, mais qui n'a pas la même expertise et la même disponibilité que nous. Alors, jusqu'en 2013, on a répertorié 2500 cas d'Ebola à travers le monde, jusqu'à ce qu'il y ait cette grosse épidémie en Afrique de l'Ouest de plus de 30 000 cas. Cette épidémie était due à un nouveau variant de virus qui s'appelle Makona. Le virus Ebola se décline également en différentes espèces. La plus fameuse est le Zaire Ebola virus, qui se décline en différents petits frères et petites sœurs. Et le point important, c'est que certains ne sont pas aussi dangereux que d'autres, mais celui-ci est certainement parmi les plus dangereux. Certaines espèces sont associées à 80% de mortalité. Celui-ci est probablement associé à environ 40 à 60% de mortalité. Le nom vient de cette rivière entre les trois pays où l'épidémie est apparue, dans une région où l'Ebola était strictement inconnu auparavant et où les systèmes de santé, qui étaient déjà dans un état déplorable, n'étaient pas du tout habitués à diagnostiquer ce type de pathologie. Alors pourquoi il y a eu cette épidémie? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a déjà le virus lui-même et la capacité tout d'un coup d'un virus de sauter la barrière des espèces, et puis le contexte. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ceci a été bien mentionné par Jean-Daniel dans son introduction. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le virus, c'est le fait qu'il ait de nouveaux phénotypes, comme c'était le cas pour le virus Makona, mais également les structures de santé, la société et la façon dont notre système de santé publique est fait. Et là, le virus est vraiment arrivé dans un endroit où on était post-guerre, où il n'y avait simplement aucun système de santé existant. Pour mieux démontrer ça, c'est l'état d'un hôpital qui était l'hôpital de référence à Monrovia, trois semaines après la première vague de maladie Ebola, où plusieurs dizaines de personnels ont été infectés et sont décédés. Vous voyez l'état de la difficulté à gérer les déchets. Puis surtout, ce que j'aimerais montrer ici, c'est que le virus avait un impact qui n'est pas uniquement lié entre la cellule et lui-même, mais il a un impact sociétal avec la paralysie des systèmes de santé, plus de salles d'accouchement, plus de pédiatrie et plus de salles d'urgence. Sans compter également les problèmes éthiques que l'on peut rencontrer dans ce genre de situation, puisqu'il s'agit d'isoler au mieux les patients qui sont infectés et les identifier le plus rapidement possible. Et puis, on fait face également à cette dichotomie entre ce qui peut se passer dans des pays à faibles ressources et puis la mortalité qu'on peut observer ici. Ça, c'est le patient que nous avions traité à Genève qui pouvait choisir entre son café ou du thé ou un croissant ou un bout de pain quand il était guéri. Et ça, dans un centre le plus développé de MSF, voici les perfusions qu'on pouvait leur proposer. C'était du beurre de cacahuète. La mortalité chez les patients exportés, qui étaient des patients graves, était deux à trois fois inférieure à celle observée sur le terrain. Pour répondre à cette épidémie, ici, avec Blaise Genton, avec un autre type de vaccin, et à Genève, avec Claire-Anne Sigrist, qui était vraiment l'artisane de tout ce projet, et Angela Hüttner ici, on a mis au point très rapidement une phase 1 pour tester un nouveau vaccin contre l'Ebola. Et si je vous montre tout ça, ce n'est pas tellement pour parler de l'exploit de faire ces études très rapidement en quelques semaines, mais c'est surtout pour vous illustrer ça. Quel est ce vaccin? C'est un vaccin vivant atténué, fait avec un virus qu'on appelle le virus de la stomatite, qui est un virus donc vivant qu'on peut répliquer, qui est utilisé peut-être par certains scientifiques ici dans la salle, qui est un virus qui ne circule pas chez les animaux dans l'ancien monde, uniquement dans le Nouveau Monde, qui est craint comme la peste par les vétérinaires. Et les scientifiques ont bricolé ce virus en pouvant mettre à la surface une glycoprotéine qui était celle de l'Ebola. Et là, on touche un point essentiel, c'est ces problèmes de recherche, de savoir jusqu'à quel point on peut manipuler les organismes vivants, et en particulier les virus. Quoi qu'il en soit, ce virus est un virus atténué qui est compatible avec un essai vaccinal. Ce n'est pas ce que je veux dire aujourd'hui, que c'était un agent biologique dangereux, mais pratiquement, ça vous donne aussi une idée des progrès technologiques qui ont été faits de pouvoir recréer un virus de A à Z comme celui de 1918 ou de bricoler n'importe quel virus dans beaucoup de laboratoires. Il y a une épidémie en cours au Congo qui est là depuis le mois de juillet. Une première qui a eu lieu en Équateur au mois de juin, qui a été contrôlée grâce en partie à ce vaccin.
et une épidémie qui est en cours ici dans cette région du Congo qu'on appelle le Nord Kivu. Le nombre de cas n'est pas encore très impressionnant, mais il ne s'arrête pas et l'épidémie n'est pas contrôlée. Et pour contrôler l'épidémie, la seule arme vraiment effective, c'est de vacciner les gens. C'est faire, une fois que vous identifiez un cas, vous vaccinez la population autour, grosso modo. Mais essayez d'imaginer de vacciner avec un vaccin qui n'est pas encore FDA approved, qui n'est pas encore reconnu par les autorités. Donc, ça se fait sous forme d'une étude clinique de phase 3. Et je vous passe les détails. C'est ici une assistante qui a travaillé là-bas, qui s'appelle Pauline, de mon équipe. Et les difficultés pour atteindre les parties reculées du pays et également assurer la chaîne du froid. La firme qui a pris possession de ce vaccin en 2014 n'a toujours pas été reconnue par la FDA. L'autre point pour l'Ebola, et on touche de nouveau l'impact que ces virus ne sont pas neutres, ils n'arrivent pas n'importe où, n'importe comment, ils sont dans un environnement particulier. On est au Nord Kivu, où il y a des bandes rebelles, près de 80 bandes rebelles, donc vous imaginez les difficultés à implémenter des campagnes de vaccination, et puis également des attaques des équipes qui s'occupent d'identifier les cas ou de rapatrier les corps des patients malades, puisque c'est une des causes de transmission majeures, c'est les enterrements. Et là, on touche quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre civile, mais avec les différences culturelles et l'importance de se rendre compte, lorsqu'on fait ces interventions de santé publique, de s'adapter aux pratiques locales et de respecter les différentes croyances et aspects culturels de chacune de ces populations. Là, vous avez deux photos qui ont été faites il y a quelques semaines sur le terrain, dans un centre de traitement, avec une collègue de MSF et ma collègue qui est partie sur place. Il faut quand même dire qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis la peste et que peut-être la technologie pourrait nous aider. On n'en est pas encore là, on reste avec des technologies sommaires, avec des chambres d'isolation qui sont transparentes maintenant, qu'on peut atteindre depuis l'extérieur, ou des combinaisons qui ne donnent pas encore vraiment satisfaction, que nous essayons de développer avec le PFL. Tout ceci pour vous dire que, tout à l'heure, je vous disais que les virus sont des maîtres de simplification, mais en l'occurrence, ici, l'Ebola est un maître de complication. Il ne s'arrête pas uniquement à attaquer une personne, mais une société entière. Alors, j'avais intitulé ça « Prédiction ». Il n'y a aucun scientifique ou un spécialiste de la santé publique qui avait prédit le West Nile, le Chikungunya, le Zika, l'Ebola. On attendait un poulet dans le jardin devant et arrivé par la porte de derrière un cochon, l'hépatite E, etc. Donc, on a besoin de scientifiques. Les scientifiques ont à leur disposition un outil génial maintenant, c'est le séquençage à haut débit. Donc, on séquence tout ce qu'on peut et ce qu'on veut, j'allais dire. Vous avez ici une schématisation de peut-être ce qui est la virosphère de virus ARN en jaune. Et puis, si vous utilisez la culture virale, vous en découvrez un petit peu. Et puis, si vous avez utilisé la PCR, comme on a l'habitude de faire, qu'elle soit real-time ou consensus, c'est égal, vous augmentez votre paysage. Mais si vous utilisez le NGS, vous ouvrez un immense monde où il est difficile d'appréhender ce qui va être significatif. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que cette approche va vraiment nous aider à mieux prédire ce qui va se passer au futur. Par contre, on a besoin de scientifiques, du coup. On a besoin de scientifiques pour nous éliminer, pour trouver des combines, pour essayer de prédire. Alors, ça a été fait, et on touche de nouveau ce problème de la biosécurité. Pour voir si un virus, l'influenza, est capable de sauter cette barrière des espèces, en particulier le H5N1, deux collègues, Fushie et Kawayoka, ont fait des expériences parallèles où pratiquement ils infectent des animaux et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un dans le labo qui a dit « c'est bizarre, maintenant il se transmet par aérosol ». Oups. Et dans un modèle animal, et puis on introduit des mutations. Donc on essaye finalement de bricoler ces virus pour identifier les mutations qui vont nous permettre de prédire s'ils vont pouvoir se transmettre par voie aérienne. À nouveau, je pense que c'est des modèles assez compliqué, c'est des modèles d'abord chez l'animal qui sont pas réellement, qui sont un peu artificiels. Et est-ce que ce genre d'approche va vous permettre de prédire ce qui va se passer? Certains le croient, d'autres le croient moins. C'est très difficile de prendre parti de manière absolument claire dans ce domaine. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que les virus finalement n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de stratégie, mais ils ont simplement une capacité à évoluer avec ce taux de mutation qui est particulièrement élevé, la capacité à échanger des gènes.
un réservoir qui est énorme, une capacité à s'adapter à l'environnement, et puis surtout cette possibilité, ces opportunités, et cette plasticité génétique qui pourrait conduire à sauter cette barrière des espèces par l'acquisition d'un phénotype nouveau. Le problème, c'est qu'ils font ça pas sur la durée d'une vie de 85 ans comme l'homme. Eux, ils ont leur temps, ils agissent là sur 100, 1000, 200 ans, 2000 ans, 3000 ans. L'espace-temps est totalement différent. Et pour mieux se rappeler ça, parlons du HIV. Le HIV dont je n'ai pas parlé, mais qui a été évoqué au début. Lorsque vous regardez qui est la cause de la plus grande pandémie, ben c'est la même histoire. À partir d'un réservoir qui est très clair, qui est celui des grands singes, on a pu déjà identifier que dans les années 60, sur des prélèvements pathologiques conservés au Congo, on pouvait identifier le virus. Et puis, on pense que le virus a commencé à s'étendre déjà dans les années 20 avec l'apparition des transports ferroviaires. Donc, de nouveau, est-il possible et comment prédire ce type d'événement? C'est un casse-tête que peut-être la technologie et puis surtout les meilleurs systèmes de surveillance nous permettront de résoudre ces prochaines années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour ce magnifique survol et surtout pour tout le travail que tu fais avec ton équipe. Est-ce que je peux appeler aussi Valérie de venir? Nous avons des micros. Si vous avez une question pour un des orateurs, levez la main. Le micro arrivera très rapidement. Jean-Daniel va commencer. Laurent, je reviens sur cette problématique. Ça sert à quoi, un virus? Alors ça, c'est une question. En fait, bon, il y aura plusieurs façons de répondre. On pense que les virus sont issus de fragments de matériel génomique qui ont été expulsés, enfin, qui ont été produits par les cellules. Peut-être c'est comme ça qu'ils sont nés, avec des fragments d'ARN qui commencent à circuler. Le deuxième point, pour répondre très simplement, je dirais qu'environ 10 à 15% de ton génome est fait de rétrovirus qui sont intégrés dans ton organisme. Donc, c'est une façon de contourner la réponse et dire ils servent à construire ton génome, en tout cas pour les rétrovirus. Pour les autres, je ne sais pas à quoi ça sert les moustiques. J'arrive pas à répondre mieux. Concernant le vaccin Ebola, comme quelques petits problèmes, vous avez créé un nouveau virus qui n'existe pas dans la nature. Et si j'en crois ce que j'ai lu, c'est que chez certains vaccinés apparaissent des vésicules sous les ongles. Donc il y a une pathologie qui est liée au virus porteur de la mutation. Comment est-ce que vous envisagez, au fond, l'évolution de ce virus qui est maintenant introduit dans la nature? Bon, il y a deux points importants. D'abord, on n'a pas créé un virus. Il a été testé par d'autres scientifiques, il a été mis au point, il a été testé chez les primates, et c'est pour ça qu'on s'est trouvé dans cette situation de pouvoir faire une phase 1 chez l'homme. Le deuxième point, vous allez faire un virus ARN qui est persistant. Et vous avez une virémie comme si vous vaccinez avec le vaccin de la fièvre jaune ou le vaccin de la rougeole, qui est de courte durée, et il y a une élimination par l'homme. Il n'y a pas d'excrétion prouvée, quand bien même vous avez raison, il y a 10 à 15% de patients qui ont développé des complications sous forme d'arthrite, et encore un plus petit nombre qui ont fait 2 ou 3 vésicules sur la peau, qui potentiellement, un certain nombre contenaient du virus, donc pourraient potentiellement se transmettre. Cependant, la transmission d'homme à homme n'est absolument pas démontrée. C'est un virus qui n'a pas la capacité de se transmettre de cette façon. A priori, il a été utilisé maintenant chez plus de 30 000, ce vaccin a été utilisé chez plus de 30 000 personnes en Afrique. Il n'y a pas de signal qui aurait des effets secondaires dangereux. Évidemment, sous toute réserve que certains effets secondaires sont plus difficiles à suivre dans ces contrées qu'ailleurs. Deuxièmement, ce n'est pas un vaccin qu'on veut utiliser ici à Genève ou à Lausanne.
C'est un vaccin qui a une utilité uniquement dans une circonstance où vous avez une maladie qui se transmet de personne à personne et qui tue là actuellement environ 60 à 80% des personnes qu'ils infectent. J'ai une question pour Valérie. Dans l'utilisation que vous faites actuellement de ces tablettes, peux-tu nous décrire, tu nous as montré sur un dia, si j'ai bien compris, une valeur prédictive négative, donc une exclusion de certaines maladies. Avec ces algorithmes, est-ce qu'on est vraiment bon à prédire ce que le patient a ou est-ce qu'on est meilleur à prédire ce qu'il n'a pas ? Alors, c'est sûr que ce qu'on essaye de faire, c'est toujours combiner quelque chose qui est sensible d'un côté avec quelque chose qui est spécifique de l'autre. Donc, souvent, on commence par les prédicteurs cliniques pour être assez sensible, mais pas très spécifique. Et après, on met un test de labo derrière pour être plus spécifique et compenser ça. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour la pneumonie, où on prend d'abord toute une série de prédicteurs cliniques sensibles, fréquence respiratoire augmentée et autres. Et après, on fait le test de CRP en point of care derrière, donc on essaye de combiner les deux pour compenser. Mais c'est sûr que là, on n'essaye même pas de prédire exactement quelle est la cause exacte microbiologique de la fièvre, parce qu'on est au niveau d'une petite baraque avec un clinicien tout seul en train d'essayer de faire ce qu'il peut. Donc typiquement là, on essaye de mettre l'énergie, c'est surtout ce triage de ces enfants sévères qui est beaucoup plus important finalement, parce que la plupart de ces enfants probablement n'ont même pas besoin d'antibiotiques, mais il faut trouver dans cette botte de foin les quelques-uns qui vont mal tourner, et ils peuvent tourner en 24 heures. Dans une des études, l'enfant allait parfaitement bien, le lendemain les parents nous l'amènent dans leurs bras morts, quoi. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu trouver là la veille pour prédire ça? Donc c'est plus ça notre challenge finalement. Et c'est pour ça que j'ai mentionné ces tests de biomarqueurs plus pour détecter les patients sévères, finalement. C'est ça qui nous intéresse. Tu as mentionné le mot magique, biomarqueur. Où en est-on et quelle est ta vision sur ce qu'on aura d'ici, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans ? On n'aura sûrement pas un test parfait, ça c'est sûr. Et là, il y a beaucoup de confusion dans les études qui sont faites actuellement. On en prend en masse tous les patients qui arrivent de la fièvre. On espère trouver un biomarqueur qui va tout prédire. C'est évidemment impossible. La variété des maladies est énorme. Mais bon, on continue nos recherches avec Noémie Boya. On teste sur les corps d'adultes, d'enfants pour voir si on a quand même quelque chose de mieux que cette vieille CRP, entre guillemets. Et l'idée toujours pour nous, c'est ce qu'on essaye vraiment d'expliquer avec ces algorithmes, c'est qu'un test diagnostique qu'on balance comme ça tout seul, c'est ce qu'ils ont fait avec la CRP au Vietnam. Ils ont tout à coup donné des tests de CRP à tous ces cliniciens qui n'ont aucune idée comment interpréter le résultat. Les tests ne sont pas assez bons. Donc si même si on avait un nouveau biomarqueur, là on a peut-être trouvé STREM ou quelque chose comme ça, il faudrait de nouveau le combiner avec ses prédicteurs cliniques, donc avec un algorithme pour targeter les patients avec une probabilité pré-test élevée. Des questions ? Oui. Bonsoir, j'avais juste aussi une question concernant l'utilisation des tablettes. Et puis, un peu dans le même contexte, je me demandais, est-ce que les tablettes et la génération de big data, finalement, est-ce que ça pourrait permettre aussi de regarder l'autre côté, par exemple, les disponibilités des médicaments. C'est juste, je m'imaginais le peu d'expérience que j'ai en Afrique, mais je m'imaginais la situation où j'avais des tonnes et des tonnes d'antidiabétiques venant des États-Unis, mais j'avais plus aucun antibiotique. Est-ce que ça pourrait peut-être aussi aider à mieux cibler le stockage de pharmacie ou... Oui, je me demanderais juste les possibilités du projet. Tout à fait. Alors, c'est sûr que les tablettes sont un outil au cœur du système de santé pour l'interaction entre le patient et son médecin. Mais évidemment, il y a un potentiel de modules qu'on peut combiner autour qui donne même un peu le vertige par où commencer. Alors, on peut faire du e-learning sur la tablette pour qu'enfin, ils puissent détecter une détresse respiratoire par des vidéos, des images. On peut faire un dossier patient électronique qui serait connecté. On peut faire des statistiques pour le niveau santé publique.
et on peut gérer les médicaments parce qu'évidemment les tablettes comptent le nombre de traitements qui sont donnés, donc on peut comparer ça avec un module qui serait mis dans la pharmacie par exemple. Et pour nous c'est un des gros challenges parce que en fait l'Afrique est plus avancée que nous en termes d'électronisation, et dans un centre de santé standard maintenant en Tanzanie, il n'y avait rien quand je suis allée il y a 6 mois. Quand je suis retournée il y a 2 mois, il y avait un ordinateur sur chaque table. Donc ils ont mis un système en place pour gérer. Pour l'instant, le but il est que financier, c'est-à-dire calculer et vérifier combien d'argent ils gagnent, entrent et sortent. Souvent la qualité des soins vient un peu en dernier sur la liste, mais évidemment notre outil d'amélioration de la qualité des soins doit être connecté et interfacé avec ce qu'ils ont déjà mis en place. Et ça, c'est compliqué. Sur le plan IT, ça donne des cheveux blancs à l'équipe de Julien Tabar à la PMU. Une question pour Laurent. Tu ne crois pas au séquençage au débit Je vais te challenger un peu. Est-ce que tu vieillis? Tu reviens aux bonnes choses? Non, la sérologie. Les systèmes sentinelles, non. La haute technologie, est-ce qu'elle serait moins utile? Le séquençage au débit est un outil merveilleux. Il est merveilleux pour détecter, là je t'ai montré par exemple la phylogénie, pour comprendre l'histoire d'une épidémie, mais c'est pour comprendre l'histoire, c'est pas pour la prédire. D'autre part, ça vous permettrait, si on a un temps réel, évidemment, de faire des liens épidémiologiques qui pourraient nous aider rapidement à intervenir de manière ciblée. Mais, comme tu le sais mieux que moi, certaines maladies sont diagnostiquées sur le plan clinique au moment où le pathogène est difficile à identifier par technique moléculaire. Puis le deuxième point, c'est que pour savoir si on a une population susceptible à un agent infectieux, ne serait-ce que la grippe. Par exemple, maintenant, si dans cette salle, j'aimerais savoir qui a des anticorps qui protègent contre les 4 variants qu'il y a dans le vaccin. Ce n'est pas le séquençage à haut débit, c'est le séquençage à haut débit sérologique qui pourrait compléter cette compréhension et puis identifier des populations potentiellement susceptibles ou nous donner une histoire des maladies infectieuses auxquelles Thierry Calandra ou Laurent Kayser étaient exposés. D'autres questions? Nicolas. Pour Laurent, est-ce qu'on sait si, par exemple, dans un vecteur, on peut retrouver dans le même individu vecteur 2 virus, par exemple Ebola, vu qu'on se retrouve dans des régions où vous avez plusieurs virus qui co-circulent, est-ce qu'on peut les retrouver? Puis en plus, il y a tout le virome du vecteur. Est-ce que ça peut influencer la pathologie? C'est un spécialiste des virus qui infectent les vecteurs qui me posent la question, donc je suis un petit peu embêté. Mais disons en tout cas, il y a des vecteurs comme les chauves-souris dont c'est assez clair qu'elles peuvent être infectées par de multiples virus en parallèle. Après, pour les moustiques, je ne suis pas un spécialiste, mais sauf erreur, un certain nombre de moustiques peuvent être co-infectés par plusieurs agents. Concernant le virome des moustiques ou le virome des chauves-souris, je pense que sur le plan technique, on va avoir un problème, c'est qu'on n'a pas de référence, de base de données de référence qui nous permettent de créer des nouveaux virus identifiés par les techniques de séquençage à haut débit, de reconstruire des agents viraux qui seraient méconnus, ce qu'on appelle la matière noire, la dark matter of the RNA virome. On arrive à le faire chez l'humain en grande partie avec le séquençage de novo. On arrive des fois à identifier des virus qu'on n'attend pas du tout. Et après, la question, c'est de faire un lien avec une éventuelle pathogénèse. Donc, je n'ai pas répondu totalement à ta question. Je dis oui, c'est clair qu'il y a des virus, il y a des vecteurs qui peuvent être co-infectés par de multiples. Et concernant la part du virome, alors je ne connais rien du virome de Aedes aegypti ou de Albopictus, mais c'est certainement quelque chose qui peut jouer un rôle. Mais déjà, chez l'homme, on a de la peine à comprendre le rôle du virome. Ce dont on parle, c'est que je peux prendre du sang là, de plusieurs personnes dans la salle et je vais trouver 10 puissance 8 d'un virus qu'on appelle Pegivirus, 10 puissance 7 par millilitre de sang d'un autre virus qui s'appelle TTV. Et ça ne fait pas des maladies d'organes, mais
comment peuvent influencer la santé, ça on ne le sait pas. Et puis après, comment ceci pourrait influencer des co-infections, en fait, c'est le sujet d'un grand projet qu'on a en cours chez les transplantés médulaires à Genève. Donc, peut-être je donnerai une réponse chez l'homme dans quelques années. Merci. D'autres questions encore ? Si ce n'est pas le cas, je vais repasser la parole au doyen en remerciant les deux orateurs pour leur magnifique présentation. Merci beaucoup Thierry. Je serai extrêmement bref, mais ce serait pour partager avec vous la reconnaissance qu'on doit avoir pour ces infectiologues, pour ces gens qui vont sur le terrain, pour les gens qui s'occupent des malades les plus fragiles dans des contrées où les moyens sont ridicules. Quand on pense à ce que l'on peut mettre en oncologie ici et la faiblesse des moyens que l'on a pour d'autres, et je pense que cette distribution nous pose des éléments éthiques sur lesquels on devrait débattre. Et je remercie énormément tous ces gens. Je vois Nicolas qui est présent quand il parle du bouton d'Orient et ses équipes vont en Syrie. Quand je vois ce que fait Valérie et son mari Blaise, cette capacité d'aller sur le terrain, de s'occuper, de se préoccuper des plus démunis, je pense, doit nous rendre fiers et nous devons avoir une énorme reconnaissance pour tous ces scientifiques qui vont s'occuper des maladies transmissibles. Donc, je conclurai avec, j'espère, votre participation pour les applaudir, les remercier, les encourager et qui doivent nous demander de l'argent pour les soutenir, nous le ferons.